Bonjour très chers membres et bienvenue dans une nouvelle édition de HJ Global News. Les quatre grandes innovations de la Sainte Communauté du Parent Céleste sont effectivement en train d'être mises en œuvre en ce début d'année 2023. En effet, plusieurs cultes se sont déroulés dans toute la Corée pour marquer le lancement officiel des foyers Église Chonbo. Dans cette édition de HJ Global News, nous reviendrons en images sur ces services dominicaux, puis nous conclurons avec quelques nouvelles du déroulement de la Providence à travers le monde. Lors du grand festival Chonbo qui s'est déroulé sur le fondement victorieux de l'établissement de Chonilgo, les familles bénies ayant rempli leur mission de messie tribaux célestes ont reçu le titre de Chonbo, des trésors du ciel.하셨습니다. 오늘 천보에 입적한 가정들은 본연의 하늘 부모님께서 꿈꾸셨던 순수하고 순결된 천보에 등재된 천일국의 진정한 백성들입니다. 하늘 부모님의 소원, 참 부모의 소원은 세계 인류가 부모님을 모신 인류 한 가족입니다. 그날을 맞는 데 있어서 오늘 천보에 등재된 가정들은 천일국의 백성으로서의 책임이 있습니다. 지상에 있는 동안에 어떻게 많이 내 이웃의 종족의 나라의 세계에 천보 가정으로서의 영역을 넓히는가에 따라서 우리가 돌아가는 천상 세계에서 영원히 자유로워질 수 있는 행복한 천보에 등재된 책임을 다하는 가정으로서의 자랑스러운 천일국 시대에 가장 높고 귀한 천보 가정들 여러분 모두가 되어서 하늘 부모님의 크신 사랑을 받는 천보 가정으로서의 아름다운 천보의 꽃으로 영원히 찬란히 빛나는 여러분 모두가 되기를 참 부모는 소원하고 축원하는 바입니다. Après avoir reçu cette immense bénédiction des vrais parents en ce jour spécial, les familles Chonbo poursuivent leurs efforts avec le lancement des foyers Église Chonbo. En vue de garantir le succès de la Vision 2027, plusieurs réunions stratégiques ont eu lieu en Corée et le siège international concentre ses efforts sur cette nation centrale de la Providence afin de mettre en œuvre les quatre innovations majeures, à savoir l'innovation structurelle, l'innovation des églises, l'innovation des cultes et l'innovation de la fonction des leaders d'église. Après plusieurs discussions, une stratégie relative au foyer Église Chonbo a été élaborée et elle est définitivement en train d'être mise en œuvre sur le terrain. L'innovation des églises est basée sur le concept de temple principal, de temple secondaire et de temple substantiel. Le temple principal sera le sanctuaire Chonil, le temple secondaire se constituera des églises et le temple substantiel sera représenté par les foyers Église Chonbo.
les églises et les foyers Église Tchonbo tiendront régulièrement des services ouverts au public. Le 17 novembre 2022, lors de la clôture de l'Assemblée générale des leaders d'église de la Corée, les responsables des foyers église ont présenté leur résolution à la vraie mère. Nous avons créé le modèle de la Corée 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 de la 교회를 혁신시켜 주셨고 예배를 혁신시켜 주셨고 목회 혁신을 만들어 주셨는데 저희들이 2,000개의 교회 확장을 위해서 어머님 그 목회 혁신 가운데 우리 목회자님들께 먼저 100일 로정을 통해서 40세상 실세화를 이제 마무리를 지어 주시고 그 다음에 우리 축복 가정들이 천보 가정들이 40세상 실세화에 도전을 했습니다. 천보 가정 효정 증거 대축제를 어머님 다 보셨고요. 그 한 사람의 한 사람의 영웅들을 어머님은 기억해주고 계십니다. 그런 의미에서 오늘 목회자 어머님 모신 특별집회 마지막 날 우리 대륙 회장님들께서 추천을 해주시고 또 세계본부에서 엄정한 또 심사를 해서 정말로 이제 천보가정 교회장으로서의 그 역할을 할 수 있는 시범 운영 가정을 이렇게 선정하게 되었습니다. 이렇게 15가정이 40세상의 실세화를 완전히 이루었고요. 그런 가운데서 천심천보 수행과 안실시 예배 그리고 정말로 천일과 안착의 그 모델인 천보가정교회의 모델을 만들기 위해서 이제 어머님께 인사를 올리고 결의를 올린 가운데 시범 운영을 이제 시작하게 되었습니다. 15 familles Tchonbo vont débuter la tâche pionnière des foyers Église Tchonbo. Du 9 au 11 décembre 2022, elles ont participé à un séminaire des leaders des foyers Église Tchonbo qui s'est tenu au centre de formation HJ Chonju Tchonbo. Les leaders des foyers Église Tchonbo ont exprimé leur reconnaissance pour la grande responsabilité et la mission qui leur a été confiée de paver un nouveau chemin et de partager la vision des familles modèles de Chonilgu. Ils sont déterminés à apporter une lueur d'espoir dans les activités de témoignage. Dr. Yunyango leur a fait part des attentes et leur a transmis l'immense amour de la vraie mère. Il les a encouragés à devenir de vrais fils et filles filiaux qui ouvriront pour la première fois en 6000 ans une nouvelle voie pour les églises essentielles. En outre, pour permettre à tout membre d'acquérir les aptitudes de leader d'église, les leaders de foyer Église Tchonbo ont ensuite suivi des conférences sur les sermons de Chonilgu, la mise en pratique du guide Chonchim Tchonbo et les conditions de prière à Chonchimwon. Ils se sont engagés à devenir de véritables représentants du Parent Céleste. Le 3 janvier dernier, dans son discours de bienvenue à la 4e conférence stratégique des leaders de la Corée, Dr. Yunyango a parlé de la direction et des projets clés de la Providence, annonçant le début officiel des services dominicaux dans les foyers Église Tchonbo. 1월 8일 날 15분의 그 천보가정 교회장이 우리 목회자님들의 축복을 받고 천보가정교회 예배를 이제 공식적으로 시작을 합니다. 시예배가 천보가정교회에서 되는 것이고요. 제도권 분성전은 안식일 예배로 가는 겁니다. 그리고 이 제도권 분성전은 결국 천심천보수행센터의 그 기능적 지원을 해주는 게 원래 컨셉입니다. Ainsi, le 8 janvier, le culte de lancement officiel des foyers Église Tchonbo s'est déroulé simultanément dans 15 lieux de la Corée. Des milliers de membres se sont réunis à l'église Chonsung à Séoul, dans les églises de Bucheon, Suwon, Chuncheon, Hongcheon, Daejeon, Nonsan, Kimje, Gwangju-Kwangsan, Hampyeong, Changwon ou encore de Busan pour encourager les leaders des foyers Église Tchonbo. Ces familles bénies, devenues des trésors du ciel après avoir béni 430 couples et réalisé le but des 43 familles, montreront le chemin du ciel à leur tribu. Avant de mourir, j'ai eu un rêve avec ma mère. Ce rêve, c'était que l'église doit être une aide à la société. Nous devons faire notre maison de la famille de Fundo Kajong-Kyoe. 섭리의 귀결이 하나님의 조국을 이 땅에 창건해야 된다는
그 말씀을 늘 마음에 간직하고 살았습니다. 참 어머님께서 연두에 주신 말씀 속에도 점프하는 해가 바로 올해 검은 계면년 한 해라고 말씀을 하신 것처럼 이제 식구로서의 자세가 아니라 민족 복귀 앞에 우리 축복 가정들이 천보 가정 교회장으로서 활약해야 될 때가 정말 좀 숨가쁘게 이루어진 것 같습니다. 참어머님께서 천부 가정교회와 함께 하시는 이때에 우리가 굳은 신념을 갖고 나아간다면 못할 것이 없고 그리고 이루지 못할 것이 없겠다는 확신이 들어옵니다. 저 개인으로 볼 때는 여러 가지 부족한 것이 너무 많고 열악한 환경이지만 어머님께서 하늘 부모님, 참부모님 모신 심정에 무엇이 그렇게 두렵냐, 당당해라 그러시잖아요. 그래서 하늘 부모님, 참부모님 모시고 당당한 모습으로 사랑 운동을 많이 하는 그런 천보 가정교회장 가정이 되고 교회가 되겠습니다. 앞으로 잘 부탁드립니다. 천보, les trésors du parrain céleste. Les foyers Église Chonbo joueront le rôle de temple substantiel où se répandra l'amour du Parrain Céleste et où sera transmise la volonté du ciel par des familles Chonbo déterminées à remplir leur mission. Nous espérons qu'à partir de la graine plantée par ces 15 familles, de plus en plus de personnes se joindront à nous pour créer un monde d'amour vrai centré sur Dieu, notre Parrain Céleste. Puisse l'avenir des foyers Église Chonbo être rempli des bénédictions du ciel. Prendre un nouveau départ est toujours exaltant. C'est un sentiment unique et précieux qui nous revient toujours à l'esprit au fur et à mesure que le temps passe. Tout comme nous effectuons un bilan après une année écoulée, et établissant de nouveaux projets pour la nouvelle année, nous espérons que chaque jour sera pour vous une occasion de repartir à zéro et de s'attaquer à l'avenir avec beaucoup d'espoir. C'est sur ces mots que se conclut cette édition de HTA Global News. Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse.